Alors, bonjour, je suis de retour. Alors, j'ai terminé de mettre le collant à l'intérieur de la boîte. Alors, tout ce qui est joint doit être couvert avec le papier collant. Alors, ben, j'appelle ça du papier collant. Alors, tout le tour est fait. OK? Hop, ici, je n'ai pas assez de coller. Voilà. Alors là, on va couvrir ça, mais avant, je voudrais vous montrer les cartes. Alors, pendant que ma batterie se chargeait, j'ai travaillé sur les cartes. Alors, je vais vous montrer comment les faire. Alors, vous allez à la carte, ou si vous avez des carrés, des rectangles de papier, alors tous de grandeur égale, OK? Ensuite, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous faire... premièrement, vous devez trouver le centre et vous faire un petit stencil. Alors, où est-ce qu'il est, mon stencil? Je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est ici. Alors, moi, j'ai choisi... Alors, ça, c'est de Graphic 45. Ils ont des morceaux de carton. Alors, ça, c'est du carton de poids moyen. C'est de la même épaisseur, comme je fais mes couverts d'albums. Et puis, ils ont tous ces morceaux pour la collection pour laquelle vous les achetez. Moi, je garde ça comme stencil. Alors, je peux les tailler, couper, et ça fait des beaux petits tags. Alors, je les utilise aussi pour des petites découpes ici, pour, vous voyez, pour faire des garnitures au lieu de juste faire un trou. Quand c'est vintage, le moindrement, alors je ne vais pas faire juste le demi-cercle. Alors, ce que vous faites, c'est que vous trouvez le centre ici. Ensuite, vous calquez quelque chose et c'est important d'être vraiment très précis. Je vous conseille d'avoir un crayon très bien aiguisé pour avoir une ligne très précise et suivre la ligne. Et parce que quand on a un crayon qui est plus rond, alors ça va plus à l'intérieur. Et puis si on va comme ça, ça va plus à l'intérieur ici que sur le côté où ça devrait aller. Alors vraiment, une mine est bien aiguisée. Ensuite, vous coupez tout ça. Et moi, j'ai tout ancré mes côtés avec le Black Soot de Tim Holtz. Alors tous les contours sont faits. Ensuite, ce que vous faites, vous allez vous tailler un papier qui est tout juste un peu plus grand. Alors, vous voyez l'excès que j'ai ici, c'est vraiment minime autour. Alors, je dirais 2 mm ou 1,5 mm autour, comme je fais toujours. Alors, vous taillez ce morceau, vous ne le coupez pas. Okay? Ensuite, vous allez tailler un autre du même format. Surtout, la hauteur est la même, sauf que vous allez avoir environ 1 cm de plus chaque côté. OK? Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez trouver le centre de celui-ci. Alors, moi, j'ai trouvé mon centre ici. Je crois que c'est ça. J'ai fait une petite marque avec mon crayon. J'ai l'impression que c'est pas ça. Je vais me trouver une règle. Alors, vous trouvez le centre. OK? On ne fait pas des lignes ici de pliure encore. Il faut trouver vraiment le centre de notre morceau. Alors, ici, moi, je vais aller comme ceci. Alors, c'est 3,5. C'est ici. Voilà. Je vais voir si le centre correspond. Oui. Alors, vous trouvez le centre et vous allez faire le même décalque que vous avez fait sur la carte. Alors, je vais vous montrer, je vais en faire un. Alors, moi, j'ai utilisé celui-ci, comme ceci. Alors, non, c'était celui-ci, comme ceci, je pense. Est-ce que je vais vérifier? Celui-ci, celui-ci. Ah non, c'est le grand. C'est bien parce qu'on a deux. Juste celui-ci, ça me donne celui-ci et celui-ci. Alors, on a deux possibilités de décalque ici. Alors, je me suis fait une ligne ici au centre de mon décalque. Et je la centre avec ma ligne ici. Et puis, je fais la marque. Je fais mon dessin. Vous voyez, je vais au centre comme ça. Parce que si vous continuez comme ça, ça va faire trop haut. Ça va être croche. Alors, il faut vraiment aller tout près du carton ici, quand on trace. On fait ça avec notre main. Là, je vais le couper. Alors, moi, je n'avais pas procédé de cette façon et j'ai eu des petits problèmes. Alors, c'est pour ça, là, en même temps, pour profiter de l'expérience de mes erreurs, parce que je vous le fais de la bonne façon. Heureusement, j'en ai fait à l'avance, puis je n'ai pas eu à recommencer une vidéo parce que ça aurait été mal fait. Alors là, on a celle-ci. Alors là, ce qu'on va faire, premièrement, on doit effacer nos marques, si j'en reste un petit peu. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va la coller tout de suite. OK? Alors, je vais coller ma carte. Excitée de faire ce projet parce que ce matin très tôt dans la nuit je m'étais réveillée puis je dormais pas puis j'ai pensé, j'ai dit oh, je vais faire ce projet là aujourd'hui et je me suis commandé d'autres collections de cartes et puis celle-ci je vais aller chercher les petites qui vont avec ça parce qu'elle est petite au magasin alors j'ai bien hâte tout à l'heure d'aller chercher ça. Alors là ici on doit avoir la bordure comme on s'est gardé, qu'on s'était dit. Alors idéalement centre à centre, ici comme ceci. Alors si vos je vais vous montrer ici. Alors, votre courbe ici est vis-à-vis celle-là. La courbe ici vis-à-vis celle-là. Alors, vous savez, vous êtes bien centré. Et puis, on va s'assurer qu'on est bien droit comme ceci aussi. Comme ça.
finalement, je suis bien, bien contente de l'avoir acheté, celui-là. Je le nettoie. Parce que avec la règle, je trouvais que c'était trop coupant. Puis parfois, ça égratignait les papiers. Alors ça, c'est plus arrondi ici. Alors, c'est vraiment recommandé. Achetez-en des pas chers parce que c'est pas nécessaire d'acheter, de payer cher pour ça. C'est un petit outil de travail. Puis bon, je veux dire, c'est bien que c'est important d'avoir des bons outils, mais ça reste que c'est pas nécessaire de l'avoir si, si bien que ça. Là, je vais prendre ma planche à plier. Ça, c'est le papier que je vais utiliser à l'extérieur de la boîte. Alors, ici, là, ce qu'on fait, alors moi, j'avais fait mes lignes à l'avance, c'était pas centré, alors il a fallu que je recommence tout, ça fonctionnait pas. Alors là, vous allez vous garder environ 1 mm ou 1 mm et demi chaque côté. Alors, faites une ligne de chaque côté de l'enveloppe de la carte ici, de la carte imprimée. Alors, juste un petit peu à côté. Une petite ligne comme ceci. OK? Alors, ensuite, vous allez biseauter juste en haut. Assurez-vous que c'est bien correct avant de biseauter, parce que moi, j'avais biseauté, puis c'était pas tout à fait précis. Il a fallu que je refasse une ligne dans la partie biseautée. C'est pas l'idéal. Là, vous allez plier comme ceci. Alors là, vous allez avoir votre pochette, OK? Ensuite, votre morceau ici, qui est la même hauteur, vous devez vraiment l'enligner avec le haut. Bien enligner avec le haut. Et un petit peu à l'intérieur. Vous allez voir que votre papier ici doit être... Celui à l'intérieur doit être plus petit. Alors ici, comme vous voyez, si je le mets égal et que je le plie, j'arrive pour plier l'autre. Regardez bien ce que ça va faire. Vous voyez ce que ça fait? C'est parce que lui est trop grand. Alors je vais lui en enlever un petit peu. Ça, c'est à cause de l'épaisseur du carton. Alors j'ai juste l'épaisseur du carton des deux côtés de trop. Alors c'est vraiment minime. Alors je vais enlever comme 2 mm. Parce que je crois que l'épaisseur du carton prend environ 1 mm chaque côté. Alors si je le mets ici et je le plie, je vais vérifier si ça fonctionne. Alors il faut le mettre bien en ligne pour voir si ça fonctionne bien. Et là, vous voyez, il ne retrousse plus. Alors ça veut dire que je suis correct. Alors c'est important d'être en ligne avec le haut, tout simplement. Avec le haut de la carte derrière. Alors finalement, le plus grand morceau de papier des deux, servait à faire le devant de la carte. Parce que je préférais avoir le joint ici, même si on va le couvrir de papier, je préférais l'avoir derrière l'enveloppe. Je trouvais que c'était plus... c'était mieux qu'il soit en arrière, pour ne pas qu'on voit les joints. Même si on ne devrait pas les voir, ça risque qu'on peut toujours voir un petit peu. Vous auriez pu aussi biseauter ici un petit peu, si vous voulez. Vraiment très peu. Alors voilà. Ça, c'est fait. Alors, vous avez vos cartes, votre carte ici. Alors, vous avez l'onglet ici. J'aime bien laisser l'arrière qui n'est pas coupé parce que c'est plus facile à les prendre que quand vous avez les deux, vous cherchez avec vos doigts où aller chercher. Alors, c'est pour ça que j'ai gardé seulement l'image du devant avec l'onglet. Alors, ici, j'ai mis toutes mes cartes, mes 11 cartes. Et je vérifie si c'est bien droit. Tout est bien droit, tout est parfait. Maintenant, ce qu'on fait avec la boîte. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vérifier si ça fonctionne bien. Alors, si vous avez un peu, alors comme 3 ici, j'ai 5 mm, c'est parfait. Une fois que la boîte va être couverte avec le papier et tout, ça va vous laisser un peu moins d'espace, mais il y en a suffisant. Il faut qu'il vous reste minimum 2 mm à la fin de tout. Alors là, je me suis taillé des bandes de papier. Alors ici, je travaille avec du papier qui n'est pas de poids supérieur. Alors c'est juste du papier régulier, de papier cartonné régulier. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir juste la tranche ici, la découpe ici, et toutes les arêtes de la boîte, plus le contour. Alors moi, ce que j'aime bien faire, j'aime avoir ça tout d'un morceau. Si vous ne voulez pas l'avoir tout d'un morceau, c'est très faisable. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement faire un morceau ici, et puis l'autre, il faut qu'il aille empiéter. Alors, le problème, c'est que quand ça empiète sur, je ne sais pas si on voit bien ici, oui, quand on empiète sur le coin ici, c'est là que c'est la difficulté. Alors moi, je vais me trouver environ le centre. Idéalement, il faudrait vraiment tailler. On va tracer une ligne, excusez. On va tracer une ligne sur toutes nos bandes au centre. Environ au centre. C'est pas nécessaire que ce soit si précis, mais environ au centre. Juste une ligne de pliure sommaire. C'est pas nécessaire d'être très appuyé. Voyons. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas, lui? Comme ceci. Alors, je l'ai fait toutes. Là, je n'ai pas compté combien ce qu'il y en avait, mais j'en ai besoin de quelques-unes parce qu'on a plusieurs arêtes à couvrir. Alors, j'aurais pu faire ça avant, mais je n'y ai pas pensé. Je m'en suis fait comme 5-6 morceaux. Lui ici, je vais enlever ça parce que ça fait de l'épaisseur pour rien. Je peux le couper tout simplement. Avec lui, il est plus droit. Comme ceci.
comme ceci. Alors, en ayant une ligne de pliure, ça vous guide pour plier droit, tout simplement. Alors, là, je vais plier mon morceau tout de suite. Alors, en faisant le pli, ça aide beaucoup. Vous voyez, s'il ne veut pas plier à cause de ça, hein, je vais l'enlever, peut-être je vais être capable. Parce qu'il est comme classé. Voilà. C'est parfait comme ça. Alors, je vais le plier. Et puis, une fois qu'il est plié, alors je vais mettre la colle au centre, d'un côté seulement, ici. La largeur de ce que j'ai besoin pour mettre en haut. Alors, on va le coller tout simplement à l'intérieur comme ceci. Et on s'assure que l'angle droit soit à peu près là. Hein. On voit l'angle droit ici. Alors ici, je me suis laissé des espaces. Une fois que c'est collé, ce qu'on va faire, c'est que vis-à-vis, là où est-ce qu'il y a l'angle ici, on va faire une petite ligne de coupe. Il faut se laisser l'épaisseur du carton. On fait la même chose de l'autre côté. C'est difficile. Difficile d'accès. On aurait pu le mesurer. On va essayer de voir juste le mesurer. Qu'est-ce que ça fait? C'est moi le défaire. Alors, je l'ai mesuré ici. Et puis ici, je vais faire une marque au crayon, là où la pointe arrive. Alors ça, c'est l'idéal. Alors, vous faites une marque au crayon aux deux endroits où est-ce que la pointe arrive. Et vous allez faire une petite entaille, mais pas jusqu'au pli. Alors, vous gardez environ 2 mm, 1 mm chaque côté, comme ceci et comme ceci. Faites attention, c'est fragile, ça peut déchirer, alors il faut y aller vraiment délicatement. Alors là, je vais remettre ma colle. Je vais coller, je m'assure que mes entailles sont vis-à-vis les coins. Vous voyez, l'entaille vis-à-vis le coin ici et ici. Alors, je fais ça. Et puis, faut que je puisse plier. Il faut laisser plier comme ceci. Vous voyez? Il faut que le pli soit à l'angle droit comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir plier celui-ci et le coller. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez aller à celui-ci. Là, je vais couper. Je vais couper un peu plus. Non, je vais couper juste. Alors, on coupe juste vers l'intérieur de la boîte. Alors, voyez ce que ça fait? Je peux le plier et le faire suivre. Il va empiéter le petit coin ici, c'est correct. Alors là, je vais mettre la colle. Il faut y aller tranquillement, pas déchirer. C'est un petit peu difficile. C'est la partie la plus difficile de la boîte. C'est pour ça, c'est à cause de ça que je ne voulais pas faire le tuto l'année dernière. Mais bon, assurez-vous toujours d'avoir votre angle droit ici. On va faire la même chose ici. Alors, je vais le couper vis-à-vis l'intérieur. Difficile à manipuler là. Et je manque de lumière aussi. Alors, je vais couper ici, tout simplement. Sur le coin. Le coin, on va le couvrir plus tard. Et là, je vais mettre la colle ici, à l'intérieur. Et je lui fais faire l'angle comme ceci. Angle droit sur-dessus. Et je le colle. Vous voyez? Alors, tout simplement, c'est que vos coins ici se sont croisés. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre la colle ici. On aurait pu mettre la colle ici avant. Une fois qu'on avait déjà entaillé avant de commencer à coller, je recommande de mettre la colle sur l'intérieur de la boîte. On va le faire de l'autre côté. Et puis, c'est plus facile à ce moment-là à manipuler. Et là, on le plie avec l'angle droit. Tout simplement. Et puis, toujours utiliser une règle ou quelque chose pour vous assurer que vous êtes bien en angle droit. Ça va coller. Vous voyez ici, le papier va coller après le papier collant. C'est ça qu'on veut. C'est celui-ci. Alors ça, il faut y aller délicatement, surtout si c'est la première fois, parce que c'est possible que vous ayez à déchirer le papier où on a fait la petite entaille. Vous voyez, la petite entaille est juste ici, mais c'est correct parce qu'on couvre le papier de la boîte, on couvre le carton de la boîte, c'est ça qu'on veut faire. Voilà. Et on s'assure que ce soit bien collé. Il faut retourner avant que ça sèche, pour être certain qu'on n'a pas à retourner à mettre la colle dessous, c'est plus difficile. Bon, voilà. Alors ça, c'est fait ici. Je vais en faire un autre avec vous. Ensuite, je vous montre les arêtes. Alors ici, pourvu que j'ai suffisamment d'espace, alors j'essaie de centrer un peu, mais pourvu que j'en ai suffisamment, même je pourrais tout de suite calculer à partir du rebord pour ne pas avoir à couper ce morceau ici. Mais en même temps, je voudrais être certaine qu'il y en a suffisamment. Alors je vais faire une coche ici, et l'autre comme ceci.
celui là je vais le couper plus tard. Alors là, je vais faire mes deux entailles. Alors encore là, on laisse environ 1 mm. On peut laisser deux, puis ça va être correct aussi. On taille des deux côtés. Je vais peut-être laisser un petit peu plus que tout à l'heure. Je trouvais que c'était très, très fragile. J'avais peur de le déchirer. Alors, je me suis gardé 1 mm chaque côté. Et là, je vais mettre la colle à l'intérieur. Alors, en faisant ça, c'est beaucoup plus facile. Alors, j'ai mis toute la colle à l'intérieur. Alors là, je vais aller coller mon centre. Comme ceci. Jusqu'à la pointe. Mon entaille vis-à-vis de la pointe. Alors, je colle juste le centre ici. Et je m'assure d'être en angle droit. Je ne vois pas quand j'ai mes lunettes. On s'assure d'avoir l'angle droit sur le dessus. Et une fois qu'on a l'angle droit, on peut tout simplement sécuriser à l'intérieur. Angle droit. Je suis juste en bas de mon angle droit. Ensuite, je vais... Alors, lui, il ne faut pas qu'il colle. Il va rentrer ici à l'intérieur. Alors, lui, il va aller là. Encore là, l'angle droit sur le dessus. Et même chose pour lui. Lui, on doit le tailler. Alors, on doit décoller la pointe, ça s'est collé. Et on doit couper l'excédent. Alors, je vais aller ici. Le crayon, c'est plus facile. Je me dépêche parce que j'ai ma colle qui est déjà placée. Je ne voudrais pas que ça sèche avant le temps. Vraiment pas aller trop court. Hein? Voilà. Là, je vais aller ici et je fais mon angle droit sur le dessus. Voilà. Alors là, c'est tout collé. Là, c'est un petit peu la colle séchée. Là. Vous pouvez pratiquer sur un bout de carton avant. Hein? Juste vous taillez un bout de carton, pratiquez. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre la colle ici. Et rabattre. Je vais commencer par ce que j'ai fait avant, parce qu'ils sont séchés. Encore là, on doit faire notre ligne comme ceci. Ça va être couvert juste jusqu'au bas. Alors, vous savez, de la colle, c'est pas trop, trop grave. Ici, alors on croise le coin. Même chose de côté. Je fais mon angle droit. Et je rabats ici. Et même chose ici avec lui. Je rabats. Je fais mon angle droit. Et je rabats comme ceci. J'ai couvert. Ça, c'est la partie la plus difficile. Ensuite, ici, ce sont des morceaux qui sont la largeur de... Alors là, ici, on travaillait avec l'intérieur. Alors, on va travailler avec l'extérieur. Il faut inclure le petit coin ici, OK? Alors, il faut aller de l'extérieur à l'extérieur. Parce que si on couvre de l'intérieur ici, on va avoir un petit coin ici qui est juste beige. On ne veut pas voir ça. Alors, on va devoir... Je vais m'assurer que ça soit bien collé, avant que ça sèche. Même repasser comme ça, mais on peut le faire à la fin aussi. Une jolie boîte. Un panier. J'ai l'impression qu'il est plus gros que celui dont le vidéo, je vais donner le lien, là, mais bon. Alors ici, on va calculer de l'extérieur. Alors voilà. De l'extérieur ici jusqu'à... Alors de l'extérieur du rebord de ma boîte, de mon panier. Jusqu'à l'extérieur du rebord de l'autre côté, je me fais une marque au crayon. Quitte à la faire un peu plus longue, si vous voulez être certaine. Là, je vais faire mon pli. Alors ici, vous allez voir qu'à l'extérieur, ça couvre bien. J'espère bien. Ça couvre bien. Ici, de toute façon, on va couvrir jusqu'au rebord. Alors, pourvu qu'on recouvre le dessus. Alors ici, ça couvre bien, mais ça ne veut pas entrer à l'intérieur. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut enlever une petite coche de l'épaisseur du carton. Alors, environ comme ceci, jusqu'au pli. On fait ça des deux côtés. Alors, ça, c'est la même technique que quand je recouvre des boîtes. Des petites boîtes que j'achète au magasin de l'art. C'est la même chose que je fais. Alors, ici, on va couvrir les coins, comme vous voyez. Et ce morceau ici va entrer à l'intérieur. Alors, peut-être que je l'ai taillé trop large. Oui, sûrement. Alors, je vais en enlever un petit peu ici. Et je vais en enlever un autre ici. Alors, je vais revérifier. Alors, pourvu que je sois à l'extérieur, alors je sens bien avec mes pouces. Ici, c'est un peu trop grand. Alors, je vais en enlever encore un petit peu. J'aime mieux aller plus grand et en enlever pour ajuster que d'aller trop petit et devoir recommencer. Alors, ici, j'ai ça. Et puis, j'ai ma ligne de pliure. Et puis, ça va rentrer à l'intérieur. Vous voyez, ça va rentrer à l'intérieur parce que c'est la même largeur que l'intérieur de la boîte.
Ici, il en manque un petit peu. Il faut s'assurer que ça entre bien, sinon ça va déchirer. Alors, vous voyez, ici, j'ai une petite coche, ici aussi. Comme ceci. Alors, vous voyez, le petit coin ici, il va couvrir. Alors, quand je mettrai de la colle, je vais m'assurer qu'il couvre. Peut-être même que ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt plier plus à l'intérieur ici. Parce que je veux vraiment que le petit coin soit là. Alors, on ne doit pas couper jusqu'au pli, on doit aller un petit peu à l'intérieur. Alors, peut-être si je suis allée un petit peu trop à l'intérieur. Alors, je vais vérifier. Puis, si je dois juste refaire ma ligne de pliure, c'est minime comme problème. C'est ce que je vais faire. Je vais me faire une ligne de pliure juste à côté parce que je suis allée trop près du coin. Alors, c'est un petit peu, c'est une technique qui est un petit peu plus difficile là, que ce qu'on a l'habitude de faire. Alors, ici, je me suis tracé une ligne pour aller un petit peu plus loin. Alors, je vais utiliser cette ligne-là pour faire mon angle droit. Alors, je revérifie. L'extérieur est plus grand. Alors, là, ici, je suis bien. Je couvre mon coin. Et puis, je vais devoir seulement entrer ça à l'intérieur. Aussi, ce que je peux faire, c'est que je peux entrer celui-ci à l'intérieur, le coller. Et puis là, je suis certaine de couvrir. C'est ce que je vais faire. J'ai un tout petit peu trop large encore. Alors, je vais en enlever un petit peu. Ici. Alors, on colle l'intérieur. Voilà. Alors, j'improvise un peu avec vous parce que c'est un petit peu difficile à faire comme quelqu'un qui a enseigné. Alors, on colle l'intérieur et on a l'angle droit sur le dessus. Comme ça, on est assuré de couvrir le coin avec le restant de ce qu'on va coller à l'extérieur. Alors, il faut s'assurer que ça soit bien collé avant de le plier parce qu'on ne voudrait pas que ça se déplace. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre, m'assurer que ça soit bien collé. Et ici, vous allez devoir mettre de la colle là où vous avez votre petit coin, qui va couvrir le coin ici. Comme ceci. Même chose ici. Petite goutte de colle juste sur le coin, pour s'assurer que le coin est bien collé, parce que ça, il faut que ça soit vraiment bien sécurisé. Alors, je vais laisser sécher, je vais faire l'autre, et puis ensuite, je vais venir plier. Alors, en attendant, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment faire les arêtes. Alors, ça, c'est vraiment simple. Ici, alors on peut faire peut-être le fond avant, on fait la même technique qu'on a fait ici, et puis ensuite on fait les arêtes. Alors peut-être que je peux faire le fond pour vous montrer. Alors ici le fond, alors on a plus large ici que ici, alors on doit s'assurer qu'on ait suffisamment, et peut-être qu'on va devoir couper un petit excédent. Alors on va regarder ça ensemble. Alors ici je le plie, ici j'ai plus. Alors, je vais faire la même chose, la petite coche, mais juste sur ce côté-ci. Petite coche ici. Et la même chose de l'autre côté. Jusqu'au pli, environ un peu moins que jusqu'au pli. Et quand on va enrober, ça devrait fonctionner. Alors, je vais coller l'intérieur. J'ai coupé les petites coches de chaque côté, le plus large que j'avais. J'ai pris un morceau un petit peu plus large que ce que j'avais besoin. Alors, je le colle ici, d'un bord à bord. Et puis, je m'assure que le coin, l'angle droit est bien fait. Okay. Ensuite, je vais... ici, ce qu'on aurait pu faire, c'est juste l'enrober comme ça. Parce que l'arête va te couvrir. Alors, je vais le couper ici. Même chose. J'espère que je fais bien. Hein? Alors, une fois que ça, c'est bien collé, là, on va coller celui ici. Alors, je vais mettre la colle ici. Si vous voyez bien. Alors, on fait comme ceci. Alors, vous trouvez avoir ceci. Vous voyez? Petit morceau qui dépasse chaque côté. Ici. Alors, une fois que c'est bien sec, tout ce qu'on a à faire, c'est de rabattre comme ceci en billets. Peut-être que vous allez devoir couper ici, biseauter. Comme ceci et comme ceci. Le reste va être couvert par l'arête quand on va couvrir l'arête de la boîte. Alors, faites ça à tous les coins. On va biseauter ici. Pas trop, hein, parce qu'on veut vraiment cacher le coin. Ici, regardez, j'ai fait trop. Mais je vais le corriger avec mon arête. Je vais aller jusqu'au bord. Ça, je vais le couper ici. Alors, on a couvert ça ici. Alors ça, vous faites ça les deux côtés. Ensuite, ce n'est que des barres droites. Alors, vous allez d'un coin à l'autre, vous assurez de couvrir les coins. C'est tout ce qui vous reste à faire. Celle-ci, pareil comme on a fait. Alors, celle-là, je vais la terminer.
Alors, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de mettre ma colle ici et de plier. Je m'assure que mon petit coin est bien couvert, ce qui est le cas. Vous voyez, mon coin est bien couvert. Et puis, ce qui reste ici va être couvert par la raie qu'on va couvrir ici, la petite bande droite. Alors, assurez-vous que votre petit coin est bien, bien collé, qu'il couvre bien votre carton de base. Ici, je vais aussi faire... Oups, c'est mon angle droit. Assurez que c'est bien droit. Voilà. Si vous manquez de la colle, vous retournez coller ici un petit peu dans le petit coin et vous enlevez l'excédent. C'est bien de toute façon d'ajouter pour être certain que c'est bien, bien collé, solidifié. Voilà. Donc, vous faites ça. Vous faites la même chose ici. Vous faites toutes vos arêtes. Faites un autre morceau comme celui-ci, puis reculez la vidéo pour revoir comment faire celui-ci. Vous voyez, lui, il couvre mieux, mais lui, j'ai coupé un petit peu trop en diagonale. Alors, peut-être le plier et voir qu'est-ce qu'il y a comme excédent, couper après, ce serait l'idéal, comme j'ai fait ici. Alors, je suis allée un petit peu trop vite. Alors, on fait ça correctement. Alors, je vous reviens avec le matage. Alors, choisissez vos papiers de base. C'est-à-dire le papier décoratif. Alors moi, j'ai celui-ci parce que je trouve que ça allait bien avec Vintage. Et puis, on couvre tout ça, mais on ne couvre pas l'intérieur tout de suite, juste l'extérieur parce qu'on doit aussi avoir une fleur ici avec un trou à l'intérieur, la brad, qui va faire tenir la boîte pour qu'on puisse la prendre comme ceci. Alors, je vous reviens avec ça tout à l'heure ou demain. Alors, à bientôt. Merci, à plus tard.